Ce jeudi 18 janvier, Philippe Corti était l'invité d'un numéro spécial de Ça commence aujourd'hui nommé Des paillettes à la prison. L'ex-DJ et chroniqueur télé a été bouleversé en recevant une surprise de Thierry Ardisson en plateau. Cet après-midi, une nouvelle célébrité avait une histoire à partager à l'occasion de la semaine spéciale dans Ça commence aujourd'hui sur France 2. En effet, depuis lundi, Faustine Bollaert convie des personnalités du petit écran à témoigner sur des périodes parfois méconnues de leur parcours. Après Jean-Luc Reichmann, Johan Riou et Jean-Philippe Janssens, c'est au tour de Philippe Corti de se livrer ce jeudi. L'ancien DJ star des années 1980 est revenu pour la dernière fois, prévient-il, sur son passage en prison, il y a 30 ans. Ça commence aujourd'hui, Philippe Corti reçoit un message surprise de Thierry Ardisson. Nous sommes en 1994 quand Philippe Corti est écroué pour trafic de stupéfiants international. Le père de deux enfants est à l'époque au sommet de sa carrière, oscillant entre les platines et plateaux de télévision, et prend une peine de 2 ans ferme au centre de détention de Tarascon, Bouches-du-Rhône. À sa sortie, l'ex-manager de boîte de nuit retrouve un travail en un rien de temps grâce à Thierry Ardisson, comme il le confiait récemment. Ce dernier a d'ailleurs tenu à toucher quelques mots à son ancien collègue, ce jeudi 18 janvier, sur la 2, Philippe, je ne t'aille pas rappeler après le dîner de lundi soir, qu'on a fait pour Paris Première. Je ne te remercierai jamais assez de m'avoir amené les Gypsy Kings avec Nicolas Reyes. Tu sais à quel point je suis sensible à cette musique, et à quel point cet été, quand j'étais en Camargue avec toi et tes potes, vous m'avez vraiment régalé. Puis, le compagnon d'une célèbre journaliste de TF1 est revenu sur les heures plus sombres de son compère, en lui faisant une très belle déclaration, « Je sais que je t'ai aidé à une époque de ta vie, mais toi tu m'aides aussi par tes petits coups de fil, ton affection. » Et je voulais te dire que tu fais partie de mes amis, et je n'ai pas tant que ça finalement. Un message qu'il conclut d'un je t'aime, ciao Beyo. Philippe Corti évoque ses liens qui n'ont jamais faibli avec Thierry Ardisson face à cette surprise, Philippe Corti n'a pas pu retenir ses larmes. Avec tout ce qu'on peut raconter sur ce bonhomme, il ne triche pas, puis sa femme Audrey, Crespo Mara, est fabuleuse, puis quand on aime les gens. Voilà, ce sont des gens qui comptent pour moi, fait savoir celui que l'on retrouve à l'affiche d'une comédie avec Didier Bourdon. Le peu que je puisse faire quand il vient en Camargue, si est-il de bien le recevoir quand il vient. Eh bien le recevoir, Thierry, si est-il le sortir du circuit parisien. Je pense que je lui ai appris à venir voir les gens qui le regardent à la télé, et ce ne sont pas que les gens de Paris, parvient à dire l'homme dont on entend l'émotion dans la voix.